Que la paix bon Dieu avec vous. Moi c'est frère évangéliste Bonnel Birmingham. M'ap dou bienvenue sous émission là Bon l'Évangile en 5 minutes. Jodi a n'ap rentré dans troisième partie étude nous qui c'est la prière. Fois passée nous t'ai parlé de invoquer le nom de l'Éternel, nous t'ai dit que l'Éternel c'est nom personnel bon Dieu. Selon Exode 3 le verset 13 à 15 et encore dans Exode 6 le verset 2 et 3, nous t'ai découvert que bon Dieu t'est révélé avec Abraham sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Mais c'est avec Moïse seul que bon Dieu t'est révélé non personnel li, qui c'est l'Éternel. Bagaille que n'est pas fait pour l'autre monde. Après ça, nous t'ai dit que non l'Éternel là, dans la langue originale li hébreu, il était écrit comme ça. Et en latin, li égal à YHWH. Nous t'ai dit que dans les années 1535, t'es gagné un certain Pierre Robert Olivetan, pendant que t'as traduit la Bible en français, il était décidé de remplacer quatre lettres sayo que nous relé le tétagramme par l'Éternel. En conclusion, moi t'ai exhorté tout le monde pour suspendre faire discussion sur nom bon Dieu parce que pas gagne une vraie prononciation pour nom bon Dieu. Qui tout relé bon Dieu Yahweh, qui tout dit le Jéhovah, qui tout dit l'Éternel, qui tout dit le bon Dieu, eh bien nom qui pi important dans moment, nom qui fait actualité qu'on a là, c'est de lui-même que nous allons parler dans la troisième partie étude là. Tendez ça. Dans l'Ancien Testament, nous jouons le terme invoquer le nom de l'Éternel. Tout à travers l'Ancien Testament, c'est ça que nous voyons. Mais le nous venons arriver dans le Nouveau Testament, nous voyons que bon Dieu change les bagailles. Ce n'est pas une question d'invoquer le nom de l'Éternel encore, mais c'est une question d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Moi, je suis capable de faire n'importe deux heures dans la parler de nom Jésus à m'ap fini. Mais je vais simplifier pour vous parce que c'est 5 minutes seulement que nous gagnons. Frère Maxime, si vous avez un nom que vous avez besoin de connaître, eh bien c'est nom Jésus. Tandis que ça la Bible dit de nom ça. Dans Philippiens 2, le verset 5 à 11, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'être dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, verset 9 là, verset 10 là, fait le clair pour nous. C'est bon Dieu même qui élevait Jésus, il souverainement élevait Jésus, et il bat Jésus nom qui pique gros parce que tout l'autre nom qui existait. Verset 10 là fait bon lumière pour nous. Il dit que, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout le monde qui a fait différence, oh moi-même, c'était moi Jéhovah, oh c'était moi Jéhovah, moi c'est Jéhovah qui pique grand moi, Jésus pas grand pour moi. Ah mais au fin carré fait erreur. Parce que bon Dieu désigné petit à Jésus même pour tout genou fléchit devant. Tout genou doit fléchir devant Jésus. Nous prenons quelques versets qui montrent nous qui j'en non Jésus a très important. Dans Acte 4, le verset 12, tenez ça le dit nous. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Verset ça a montré nous que pas de salut n'a qu'un autre nom que nom Jésus a. Mais bien aimé dans nom Jésus a, nous avons pouvoir, autorité pour chasser des démons, pour faire miracles, etc. Dans Marc 16, le verset 17 à 18, Seigneur Jésus dit nous, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est tout pouvoir et autorité que le monde qui croit dans Jésus a gagné. En conclusion, apôtre Paul dit nous dans Colossiens 3, le verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Verset ça, il montre nous que le nom du Seigneur Jésus parle seulement pour les prier. Mais non, Jésus a doué au centre de tout ça qu'un chrétien a fait. Parce que c'est dans le nom Jésus a que victoire nous chita. Dans Jean 14, le verset 16, Jésus dit nous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, pas de monde qui a accès à papa, accès pour jouer une bénédiction, accès pour jouer une guérison, accès pour jouer n'importe bagaille que par Jésus pour passer. Frère Maxime, capitaine de Mnabo Mansa, dans le gros danger, la vie ou menacée, les parents devant, parents derrière, les diables racés à la tourmente, femme, petit ou madame, devant gros accident, sa gros maladie, ça. Wadim qui est soit brûlé, si ce n'est pas Jésus, parce que c'est dans lui-même seul qui a une assurance, c'est dans nos Jésus seul qui a une victoire. Ou même qui remet étude ça, ou même qui bénit dans l'étude ça, mais partagez là, on l'autre frère, on l'autre sœur.